en l'occurrence Franck Dadidjata, et la présidente de commission féminine qui est la sœur Fatima Lou. Et encore mieux, ce sont des jeunes qui ont ce sont des jeunes très compétents qui ont fini de montrer leur preuve de loyauté et de fidélité. Et nous souhaitons que la jeunesse soit massivement investie dans les listes départementales à des positions titulaires pour une meilleure représentativité, car les renouvellements ont montré que dans certaines fédérations, des jeunes détiennent la masse. Nous avons des jeunes dynamiques, compétents, engagés, des jeunes déterminés à mener le combat que le PDS a et aura à affronter. La conjoncture politique actuelle impose à mettre la promotion de la jeunesse sur les listes nationales. D'ailleurs, les récentes péripéties de la 14e législature la justifient à suffisance. Sans oublier que les dernières élections, nous avons eu un jeune à la magistrature suprême. De surcroît, notre récente Assemblée générale, au lieu d'un meeting de campagne, atteste également à suffisance l'adhésion de toute la jeunesse pour une assemblée où la présence des jeunes sera sine qua non. C'est dans ce sens que nous interpellerons tous les responsables du parti et toute personne engagée dans la rédaction des listes à ne pas faire l'erreur comme la précédente législature. Parce que nous avons noté dans les investitures passées qu'au dernier moment, nous avons vu que la jeunesse était reléguée au second plan. Et que cette fois-ci, nous aimerons bien que dans les listes nationales, qu'on puisse avoir des jeunes positionnés dans des situations où nous pourrons les voir dans l'hémicycle. Enfin, il est important de préciser qu'étant toujours fidèle aux valeurs et aux idéaux du parti, nous ne laisserons pas faire si jamais la jeunesse est reléguée au second plan. Car le président Karim Wade accorde une place de choix à la jeunesse. C'est pas pour rien. Il a consacré 8 minutes 54 secondes lors de son discours à la nation du 2 janvier en prélude des élections présidentielles. C'est ainsi que nous tenons vraiment à interpeller encore une fois le parti et leur faire savoir que nos attentes, c'est de voir la jeunesse dans des positions leur permettant d'accéder à l'hémicycle pour ces élections à venir. Je vous remercie. Alaykoum Mboki Sénégal. Assalamu alaykoum Mboki PDS. Assalamu alaykoum Mboki UGTL. Tay nak dañu dajé fi pour yégal direction parti bi suñu mëbët ñun jeunesse UGTL bi ci élection législative yi nga xamantene mom lañu jëm comme niko parti démocratique sénégal xamé amna place bo xamantene jox nako ndaw yi nga xamantene ño nekk ci parti bi ñun nak ci loolu lañuy sukkandiku di ñaan direction parti bi di ñaan kilifa yi nga xamantene ño nekk ci parti bi ñu bayé jeunesse bi xel ci li nga xamantene moy investiture yi nga xamantene ci lañuy tann ñi wara dem ci penc ndawi réew mi ci loolu ñun jeunesse UGTL ñoo ngi leen di ñaan ñu bayé ñu xel parce que jeunesse mom moy dundal parti jeunesse moy li nga xamantene tay ji képp ko xamantene parti nga boko amul do am survie do am manam li nga xamantene moy une future proche légui nak ñongi ñaan aussi képp ko xamantene cadre nga ci parti bi nek ci département yi suñu di def investiture ñong leen di ñaan ngeen baye aussi
ndaw yi nga xamantene ño nek ci département yi ci liste législative non lañ koy ñaané aussi direction parti bi que né ñun jeunesse UGTL bëgg nañ ki nga xamantene moy suñu leader di Franck Dady Diatta ak suñu présidente commission féminine di Fatima Lo ñu jox leen seen gëdd ak seen dayo jox leen ci position yi nga xamantene dina leen permettre tay ñu représenter ñu fi nga xamantene moy penc ndaw yi rew mi ndax loolu dafa am solo li tax mu am solo moy que gis nañu 14e législative bi jall que ne ay jeunes bari nañ ci te loolu nonu gis nañ aussi que ne jeune yoy nonu ñi ngi am nek ci yenen parti pourquoi pas ñun nga xamantene jeune PDS lañ ñun ñu nek ci législature yoy non motax ñun ñu bëgg ñaar ñoñu nonu ñu def leen ci position yi nga xamantene mo ñuy permettre tay ñu genn ci carrément mën ñoo représenter parce que tollu nañ Sénégal tollu na fo xamantene ndaw yi ñoy doxal buñu sukkandiko rek ci élection yi passé nga xamantene tay président de la République bi ndaw la nek ben jeune bo xamantene moy de 40 ans la buñ ci sukkandiko rek war nañu xamné fiñu jëm jeunesse bi mo fa am jëm jeunesse bi lañ fa wara jëmmal kon donc non lañ koy ñaané direction parti bi muy Franck comme Fatima Lo ñu def leen ci position yi nga xamantene UGTL dina ci soulager wu UGTL dina gis bopam ci élection législative yu jëm non aussi lañ koy ñaané ci département yi képp ko xamantene jeune bu am mbolo nga jeune liggéey kat nga fa nga nek muy département ba nga nek di militer parti bi bayila xel may la sa sens ci nga li nga xamantene moy jongante yi ñu jëm ndax mo leen di permettre ñu ci leadership mëna feñ nonu tamit lañuy lancer un appel solennel suñu président Karim Maïssa Wade nga xamantene manam mom lepp lu mu am ndaw moko ko gënal lepp lo xamantene amna ko bayyi na ci xel ndaw yi ba discoursum bi nga xamantene jaglel nako nation bi muju dafa consacrer lu upp presque 8 minutes jaglel ko ndaw yi kon donc lool mo ñi permettre ñu xamné président Karim Maïssa Wade amna place bu mu tek ndaw yi ñu koy lancer un appel solennel ak képp ko xamantene bokk na ci investiture ci parti bi ñu bayé xel ndaw yi xamné ndaw yi ñoy yor parti bi ëlëk ndaw yi yeen ñi nga xamantene yeen suñu kilifa yeen ñu mëna promouvoir ndaw yi ñoy ëlëku parti bi li lañ waxon né dinañ leen ko baxé tay ñu ngi leen di sante di leen gëreum jërëjëf.